Bonjour Bruxelles, l'édito. La contre-attaque est massive. À la télévision hier soir, sur RTL, dans la presse écrite ce matin, avec des entretiens au soir, à la Libre Belgique, à Sudinfo, au Standard, mais aussi à l'hebdomadaire Moustique, Charles Michel a donc voulu marquer le coup et ratissé médiatiquement large non les voyages du président du conseil européen ne seraient pas des dépenses somptuaires et si leur coût a augmenté ces dernières années et augmentera encore l'année prochaine c'est parce qu'il y a effectivement plus de missions à l'étranger nécessaires vu le contexte international explique le président du conseil européen ça coûte plus cher qu'avant parce que la situation l'exige il y a simplement la nécessité d'honorer une Action internationale dans l'intérêt de l'Europe, dit-il notamment dans le journal Le Soir. Alors, cette histoire de voyage à l'étranger, elle a commencé dans le journal spécialisé américain Politico. Elle a ensuite rebondi il y a deux jours, mardi matin, dans le journal Le Monde, avec un grand article en page 2. Le budget voyage prévu pour l'an prochain pour Charles Michel et son entourage sera de 2 millions 600 000 euros, une augmentation de 27 En 2023, donc cette cette année, cette enveloppe devrait déjà frôler les 2 millions. C'est un tiers de plus de ce, que ce qui avait été initialement inscrit au budget. Et si on compare à Donald Tusk, le prédécesseur de Charles Michel, le budget voyage a été multiplié par 4. Alors bien sûr, Charles Michel ne manque pas d'arguments pour se défendre. L'inflation des prix, la nécessité de pouvoir s'isoler et d'avoir des conversations sensibles quand il est en déplacement, un emploi du temps surchargé où chaque minute compte et un contexte international, avec notamment la guerre en Ukraine qui implique de prendre de nombreux contacts. Il n'empêche, cette augmentation du budget voyage, sa multiplication par quatre, ça fait des ordres. Et ça s'accompagne d'un goût marqué pour les déplacements en jet privé, alors que l'Union européenne essaie justement de se montrer vertueuse en matière de bilan carbone. Le journal Le Monde a ainsi épinglé toute une série de déplacements à Paris, à Berlin, à Strasbourg avec à chaque fois un jet de la compagnie Luxaviation. Et comme le président du Conseil doit souvent aller à Strasbourg, l'addition monte rapidement. La palme du déplacement le plus onéreux, c'était un aller-retour en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. 460 000 euros en jet privé l'aller-retour, alors que des vols en ligne commerciale auraient pu être possibles. Alors dans les interviews qu'il vient de donner, Charles Michel justifie ses déplacements par le mandat qu'on lui a donné. Et il suggère aussi à demi-mot que ces attaques très personnelles visent en fait la place que l'Union entend jouer sur la scène internationale. Je ne suis pas né de la dernière pluie, dit-il au soir. Je mesure bien qu'un rôle renforcé du Conseil sur le plan international, ça ne plaît pas à tout le monde. Une allusion donc aux États-Unis, probablement, et c'est vrai que Politico est un journal très américain. On peut aussi émettre une autre hypothèse, celle d'un règlement de compte entre têtes européennes. Tout le monde en mémoire hein, ce fameux épisode du Sofagate et la concurrence entre Charles Michel, président du Conseil, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, pour incarner l'Europe. Cette concurrence est plus vive que jamais. Je ne vais pas me laisser déstabiliser, conclut Charles Michel. On notera juste de notre côté que sur le fond, Charles Michel ne reconnaît aucune erreur, qu'il ne présente donc pas d'excuses pour son bilan carbone ou son budget voyage qui explose, et que riposter dans des journaux belges à des révélations qui viennent du monde ou de politicos, ça fait peut-être un petit peu de bruit en Belgique. Ça ne réglera pas le fond du problème.